Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du vendredi 25 octobre 2013. On débute ce journal avec le chantier Tourville qui tourne à plein régime. Le Jean-Bart, le vaisseau en construction, s'est encore agrandi, la conséquence de plus d'un mois de travail sur le bois. Et nous profitons de cet événement pour nous arrêter sur ces membres de l'association Tourville qui entretiennent ce projet un peu fou, portrait d'un des charpentiers de marine du chantier. Et puis on termine ce journal avec la projection d'une vidéo sur le siècle de Bourbourg samedi soir, un projet réalisé par les jeunes du centre social, en partenariat avec la médiathèque 1 minute 69 et les rencontres audiovisuelles de Lille. Jeudi matin, le Jean-Bart s'est agrandi et l'équipe du chantier Tourville s'est mobilisée toute la matinée pour la pose de deux couples et de quatre allonges, soit 10 pièces en tout de plus d'une tonne chacune. Pour réaliser ces 10 morceaux du futur musée flottant, un mois de travail a été nécessaire. Le projet devrait lui être conclu d'ici 10 à 15 ans. La grue et les membres de l'association ont donc encore plusieurs tonnes de bois à soulever. Je suis charpentier de marine sur le bateau. Donc c'est-à-dire qu'on s'occupe de tout ce qui est construction du vaisseau, chercher les arbres en forêt, les ramener ici, les tracer les pièces et débiter les bois pour le bateau et faire le levage sur le bateau. Mon père est président de l'association, donc depuis que je suis tout petit, je suis plongé dans le bassin. J'étais en Angleterre avec lui, en Belgique, à Dunkerque, faire les fêtes des marins et présenter le projet. Donc j'ai eu la fibre depuis tout petit, donc c'était plus ou moins normal pour moi de rester dans le projet et tout faire pour le concrétiser et me donner à 100% pour le projet. J'ai fait une formation dans les médias et la culture et après être parti au Mexique pour faire un master en ethnologie culturelle, j'ai décidé de revenir en France quelques temps pour travailler un peu avant de repartir en Australie pour améliorer mon anglais. Et en travaillant ici, j'ai vraiment appris à apprécier le bois et apprécier le projet. Je tombe amoureux du projet, donc j'ai décidé d'arrêter mes études pour me lancer dans la charpente navale et rester travailler sur le projet pour le finir et arriver à concrétiser ce projet sur Gravelines. C'est magnifique, c'est un travail magnifique. Je crois que c'est un des plus beaux travaux qu'on puisse avoir. Alors après, chaque personne va être passionnée par son travail, mais celui-là est vraiment particulier. C'est-à-dire que la charpente navale, c'est un beau métier en soi, mais cette charpente navale-là, c'est tout simplement magnifique. C'est la course de fond, il faut avoir de l'endurance. C'est pas un sprint où on va reconstruire un petit bateau assez rapidement. Là, c'est vraiment un travail qui va se faire sur plusieurs années. Le plus difficile, c'est pas vraiment de se l'imaginer, puisque aujourd'hui, à force de travailler dessus, on s'imagine très bien, on voit très bien ce qu'il faut faire. Le plus dur, c'est de réussir à convaincre les gens qui viennent visiter le projet, réussir à leur montrer l'immensité, que c'est peut-être long à construire. Il faut savoir qu'à l'époque, c'était 3000 bonhommes sur le chantier et 600 charpentiers par bateau. Aujourd'hui, on est 4 charpentiers à travailler sur le bateau. Et c'est ça aussi qui est excitant dans ce projet, c'est que c'est un défi qu'on relève et on compte bien y arriver. Au XVIIe siècle, ils n'utilisaient aucun plan pour construire des vaisseaux comme celui-ci. Du coup, pendant les 10 premières années de l'association, on a refait des plans à partir de fouilles archéologiques et de dessins d'époque. Et aujourd'hui, tout le plan de forme du vaisseau a été fait par informatique, par un architecte naval qui se trouve à Nantes. Et on va exploiter, nous, grâce au logiciel d'informatique moderne, ces plans-là pour tirer les plans de chaque pièce du vaisseau à échelle 1. À partir de ça, on va venir mettre ces pièces en repère orthonormé, donc en quelque sorte sur un quadrillage. Ce quadrillage, on a refait exactement le même derrière sur la dalle de traçage au sol. Et on va venir remettre tous les points de référence qu'on a pris sur la courbe sur ce quadrillage au sol. Et de là, on va venir prendre l'empreinte de cette courbe sur un contreplaqué qu'on va découper. Donc du coup, ce contreplaqué aura la forme de la pièce. Ce contreplaqué, une fois découpé, on va venir le mettre sur les bits de bois, sur les arbres. On va tracer cette pièce et ensuite, à la tronçonneuse, on va venir découper la pièce. Des chauves-souris, des sorcières et des citrouilles entrent samedi soir la façade du siècle de Bourbourg. Un mapping vidéo préparé par les jeunes du centre social.
Alors le mapping vidéo, en fait, c'est une technique, finalement, un simple outil, une technique de réalisation vidéo qui permet d'habiller des volumes, en fait. C'est de la projection sur volume, tout simplement, de la projection où on va se servir du relief, soit d'un bâtiment, soit d'un objet, pour proposer, en fait, une création visuelle qui va vraiment mettre, justement, en exergue ces volumes et ces reliefs. Durant près d'une semaine, les jeunes du centre social ont conçu cette projection en alliant travail artisanal et nouvelles technologies. Nous, on a proposé un atelier, si vous voulez, complètement libre aux jeunes, en leur présentant la technique, ce qu'on pouvait faire avec cette technique. Et c'est eux qui ont choisi les créations qu'ils allaient essayer de réaliser pendant la semaine. C'est eux qui ont choisi ce thème d'Halloween. Par rapport au fait qu'on arrive fin octobre, etc., ils ont commencé à se faire leur petite histoire dans leur tête. On en a parlé ensemble, on a imaginé comment on pouvait construire tout ça, comment on pouvait l'agencer pour qu'il y ait justement une petite narration quand même. Et c'est là que, en fait, ils vous réservent une surprise où tout le toute la façade du bâtiment va être complètement transformée. Pour pouvoir réaliser une projection vraiment originale, ces jeunes ont appris les différentes méthodes de tournage possibles pour réaliser ce genre de création. Par rapport au contenu qu'on va vraiment diffuser, c'est là qu'on a mis en place des petits tournages et des sessions de shoot photo, parce qu'on a préparé en fait avec les jeunes tout un petit panel d'animation, soit image par image en stop motion, et également là ils sont en train de filmer d'autres choses qui vont venir en fait s'intégrer au montage qu'on diffusera ensemble samedi, là pour le coup vraiment adapté à l'architecture. Le public sera accueilli dès 19h pour la présentation du projet. La projection débutera à 19h30 et durera à peu près une heure. La création de ces jeunes sera rediffusée le 28 décembre à Dunkerque, à l'occasion de la clôture de Dunkerque 2013, avec d'autres créations émanant de différents ateliers des communes du territoire communautaire. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis. Je vous rappelle que ce week-end, c'est les finales de l'Open de Gravelines, avec notamment la présence de la Française Yulia Fedosova, classée 25e dans la hiérarchie nationale. Seront aussi présentes Irina Brémond et Duvaneva Brémé, respectivement 14e et 27e françaises, qui auront à cœur de rajouter une ligne à leur palmarès. Bonne soirée à tous et bon week-end.